Bienvenue, on est sur la chaîne YouTube de Gameniac et aujourd'hui, avec Dorian et moi-même, Valentin, on vous propose le test d'Assassin's Creed 4 Black Flag, le dernier opus de la série Assassin's Creed. Voilà. Bonjour Valentin. Bonjour, ouais. Donc, juste pour commencer, celui-ci, donc il est sorti sur PS3 et Xbox, il sortira aussi sur PS4. Et donc, on lance direct la cinématique d'intro et on va vous faire la première mission qui résume un peu tout le jeu où on va Il y a un commencer peu de tout. tout, quoi. Il y a bataille navale, Voilà. poursuite, exploration. Voilà. Monter en haut des tours. Alors, j'ai eu la chance aussi de tester, moi, sur. Là, on teste sur Xbox 360. J'ai Ouais. eu l'occasion de tester sur PS4. Alors, apparemment, tu me disais que les graphismes ne changent pas forcément tant que ça. Bah alors, comme Donc, je disais, là, moi, je là. trouve qu'il est plutôt beau, personnellement. Alors, il est plutôt beau. Et comme je disais, moi, le problème des consoles next-gen, c'est que j'ai pas été bluffé par la qualité graphique. Alors, peut-être que j'ai pas l'œil, peut-être que. Peut-être qu'après ils avaient des versions, je sais pas. Voilà. C'était des versions démo que j'ai testées. Donc là, on commence, comme on vous le dit, donc la plupart du temps, vous allez être sur un bateau, car vous êtes un pirate. Le principe, c'est de construire votre flotte pirate et de conquérir les océans. Et donc, on commence par une bataille navale. Donc, pour ceux qui ont joué au Assassin's Creed 3, à savoir que si les batailles navales sont beaucoup plus intuitives et beaucoup plus simples. Tu vois, tu avais joué d'Orient, toi? Alors non, je m'étais arrêté aux deux, mais ce que me disait un collègue, c'est que ouais, ça a été amélioré les batailles dans 4. Apparemment, c'était assez chiant dans 3. Bah Mais là, ça dans a pas l'air super facile non plus. Alors, c'est pas super facile à prendre en main, c'est quand même assez costaud. Et c'est ça tout le temps dans le jeu. D'après ce que j'ai lu, parce que donc là on va pas tester tout le jeu, on va pas tester, je dirais que 70% du jeu se passe en mer, Même. que les villes sont pas exceptionnellement grandes. Donc, je crois que vous avez trois grandes villes qui sont La Havane, Kingston et encore une autre. Sont pas exceptionnellement grandes et pas exceptionnellement hautes, parce que le principe de Assassin's Creed. Bon, après, voilà, il y a toujours des cinématiques dans ce genre de jeu pour tout expliquer. Là, on voit l'arrivée de l'assassin. Donc, par contre, pas de nouvelles d'Abstergo. Là, on entre directement dans le vif du sujet. On ne sait pas s'il y a l'animus, on ne sait pas. Ouais, c'est ouais, direct quoi. Bon, alors on est de retour après une cinématique un peu longue pour optimiser le temps du test. Voilà. Notre personnage se réveille dans l'eau après le naufrage. Bah alors bien sûr aussi, qui dit pirate dit que vous avez aussi passé pas mal de temps, à mon avis, à nager. Oui. Et que, petite subtilité, c'est que maintenant les trésors se trouveront autant sur Terre que sous la mer. On remarque qu'il nage plutôt vite. Et c'est nage plutôt vite. L'eau est très bien organisée par contre. Et là, l'île se découvre et ça a l'air plutôt beau. Fait penser un peu à Far Cry 3, hein, Ouais. comme tu disais. Bon, c'est un peu Après, normal vu que c'est les mêmes comme on disait, si studios. Ubisoft, il y a pas mal de mécanismes qu'on retrouve, Exactement. comme la chasse, Voilà, les trésors. le trésor, la découverte de la map en même temps sur des points hauts. Ouais, des points culminants. Et même là, vraiment, c'est. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans Far Cry, quoi. Ça t'a plu à toi aussi? Avec l'île paradisiaque. Il faut que j'aille à la Après, Havane. une autre petite chose aussi sur J'espère les qu'elle combats va en construire un bateau. navire. Bon, peut-être vous ne verrez sûrement pas J'imagine. dans cette vidéo, mais Laisse faire ce que veulent tant que contrairement au pirates. 3, maintenant, au Un, lieu juste mille, de couler un des bateau, vous scudos. pouvez aussi l'accoster, l'aborder, monter dessus, et donc, d'après ce qu'on a pu lire, ça sera pour ajouter. Vous pouvez décider de garder le Petite bateau ou de le côte. couler, et si Alors, vous le gardez, fameux ça ajoute à votre Yorito. flotte,
et vous pouvez envoyer votre flotte en mission. C'est un peu le principe. C'est un peu tactique, en fait. Ouais, c'est un peu tactique et c'est un peu le principe. Ils ont repris le principe la horde d'Assassin que tu pouvais envoyer en mission et qui te rapportait de l'argent. D'accord, ok. Donc maintenant, c'est avec les bateaux. Ouais, logique. Donc là, on découvre le personnage principal et l'assassin qui était. Il va falloir le retrouver. Pas une mince affaire. Au niveau du gameplay au sol, il est sensiblement le même que pour Assassin's Creed 3. Vous voyez, vous pourrez appuyer sur la pierre, etc. On peut utiliser pas mal d'éléments du décor aussi pour avancer, ça c'est bien. La vision d'aigle en appuyant sur le joystick gauche. Voilà, ça, par exemple, c'est plutôt pas mal. Enfin, ça rajoute du rallye. On peut se faire monter en haut d'une tour. Ouais, histoire de découvrir un peu la map. C'est un peu le classique, on va dire. Ouais. Des jeux Ubisoft. Des jeux Ubisoft. Hop. Donc, ouais, c'est. Bah là, on retrouve bien déjà. C'est plutôt bien fait quand même. Le Assassin's Creed 3, où justement. Ils avaient intégré le fait que tu puisses monter aux arbres. Ouais. Ce qui n'était pas possible avant dans les autres Assassin's Creed. Ouais. Au fur et à mesure de l'avancée de la série, il y a plein d'innovations. Ok, on ne dit pas non. Bon, après, on ne va pas s'étendre non plus trop sur le scénario parce que déjà, on ne va pas vous spoiler. Alors, c'est le PV. Ah, donc là, comme. Bon, alors, petit changement, c'est plus. Sur 360, c'est plus Y pour synchroniser. Hein. Ouais. C'est B. Je me demande si c'était pas déjà. D'ailleurs, comme ça, dans le 3. J'ai pas joué au 3, moi. Et dans les deux premiers. Pas encore matériel. Dans les deux, j'ai pas le coup. Voilà. Donc, faut pas oublier l'objectif. Hein. On poursuit notre adversaire. Bien sûr, le système de combat, c'est toujours toujours le même. Les épées ont l'air pas super efficaces. Hop, les contres. Il est coriace, ça. Ouais, les potes. Voilà. Donc là, on l'a eu. Et donc là, c'est quand même assez étonnant. Ouais. Vous allez voir, donc on a tué l'assassin du début. Compte qu'au final, dans la cinématique de tout à l'heure, on a appris que ce Edouard avait besoin d'argent pour vivre mieux. Donc j'imagine que. J'accepte votre généreuse proposition. Mais c'est tout. Ce qui est assez bizarre, c'est que normalement, dans tous les autres, c'était une transmission en fait. Ouais. Alors là, c'est là, il tue l'assassin, il remet son avis. Je crois pouvoir reconnaître la tenue. Alors, est-ce que ça peut être une surprise comme dans. Parce que dans le 3, en fait, tu commençais par jouer avec un personnage qui n'était pas l'assassin. Je vous assure que vous y serez reçu comme vous. Bon, je pense que.
c'est vraiment fort. Aussi, c'est fort. Oui, c'est... Mais là, il vient de virer quoi là? La lame voilà. Il vient de jeter la lame. Je ne sais pas. Donc je suppose que l'autre soir, un peu plus tard... Il va s'en prendre qu'il a peut-être besoin. Il aura peut-être besoin, il va peut-être rentrer, justement. Donc ça y est, nous voici... Nous voilà assassins. Et donc là, on va voir une petite dernière phase, superbe ce plan. Donc on rentre dans une zone protégée. On va avoir un peu les phases d'attaque discrète. Ils sont 4, il va essayer d'en tuer un par derrière. On nous explique bien sûr que les plantes sont faites pour nous cacher, on se déplace lentement sans faire de bruit. Je pense que tu devrais attendre que l'autre soit retourné. Peut-être que je peux le tuer directement. Le mec à l'arme. Vous voyez, il y a des tortues. Voilà, comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, on voit aussi depuis le Assassin's Creed 3, donc on avait le retour des armes infuses, c'est un peu dérangeant parce que voilà, c'est vrai que c'est des ennemis qui peuvent tirer de loin, qui sont assez... Qui sont pas au corps à corps, et du coup, je sais pas d'où ça vient. Et surtout quand t'as que deux épées, et que t'as trois mecs autour de toi, quand il y en a un qui tire dessus en plus, c'est pas très facile. Que deux épées, c'est déjà bien. Ouais. Et je pense pas que ce soit le meilleur jeu du jeu. Non, ouais, là, c'est... Donc voilà, des combats qui sont quand même assez bien pour le marché, comme d'habitude. Et des coups finaux, pareil du tout. Donc là, on a sauvé le marchand. On va partir avec lui en bateau. Donc comme on disait, la plupart des phases vont se passer en bateau. Donc voilà, vous avez vu, donc là on a fait un peu le tour de tout le gameplay qu'on pourra trouver, voilà, je pense. En gros, ouais. Bon après, bien sûr, au niveau scénario et level design, comme d'hab, il y aura beaucoup de trésors cachés. Maintenant, il y aura même un système d'envoi avec, je crois, des bouteilles à la mer. Voilà. Donc on a fait un peu le tour du gameplay. Et je sais aussi que pour... conquérir une ville, il faudra détruire en bateau les forts qui sont sur l'île. Il faudra les détruire pour s'approprier l'île. Les phases d'infiltration, il y en a toujours, j'imagine. Les phases d'infiltration, il y en a toujours, mais je pense que là, ils ont voulu tenter l'innovation en disant que maintenant, t'es un pirate et tu seras plus sur mer que sur terre. En tout cas, je le trouve vraiment beau. Voilà. Moi aussi, je suis d'accord. Donc, j'espère que vous vous amuserez bien. On va rejoindre le bateau et on va vous laisser. Et éventuellement commander le jeu sur Gamaniac. On en a un seul, donc allez-y. Voilà. Bon, au revoir à tous. Au revoir.